Ça a été ta journée aujourd'hui? Oui, on a eu une interview en maths et je pense que ça a été. Et tu as reçu finalement ton travail en français? Non, parce que la prof n'était pas là, elle est partie à la mer. Ah, d'accord. On termine de débarrasser et puis tu peux monter dans ta chambre. Ok. S'il te plaît. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Je sais pas non plus où on est. Ça fait longtemps que je dors. Je sais pas, je me suis réveillée seulement il y a 10 minutes. Je me souviens de rien. Je me souviens même pas de mon prénom. Je me rappelle pas de mon prénom non plus. J'attendais que tu sois réveillée pour qu'on s'en aille. Viens, essaye. Attends, je vais essayer. Maintenant, il faut que je trouve la clé. Ah, attends, là, regarde. Ah, je l'ai pas. Je comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Moi non plus je comprends rien à ce qui se passe, mais ça sert à rien de s'énerver, ça nous avancera à rien. On peut chercher un peu ce qu'il y a autour. Mais t'inquiète, regarde, il y a une intersection ici, il faut justement juste continuer notre chemin. Moi je dirais d'aller par là. T'as quoi sur le bras? C'est quoi? Je sais pas, regarde toi aussi. Attends. N. 32 14 05 0. N, c'est des coordonnées géographiques, ça peut être qu'un O pour ouest. Ok, ouest. Ça peut être un numéro en endroit, mais faut trouver une boussole. Oui. Au plein milieu des bois. Attends, fouille tes poches. Ah, bon, attends. Regarde, ah, nord-ouest. Voilà. Par là-bas. Par là-bas. Ok. C'est bon. Allez. Thank you.
C'est quoi cet endroit? Mais c'est moi sur les photos. Sur celle-là aussi. Mais attends, c'est moi là. Mais ça aussi. Quoi? Ça veut dire qu'on se connaissait déjà avant. Mais c'est qui la troisième là sur les photos? J'avoue, c'est qui ça? Attends, viens voir. C'est quoi? C'est un faire part de naissance. Harry et Ella. Ella? Mais c'est mon prénom, Ella. Harry? Mais c'est moi, Harry. Le 14 mai? Mais c'est ma date de naissance. Attends, c'est la mienne aussi. Vous m'avez vraiment oublié. Vous êtes la femme sur les photos. Vous êtes qui? Comment vous nous connaissez? Vous m'avez vraiment oublié. Ils ont bien réussi leur coup. Oublié? Quel coup? Ils ne vous ont rien dit. Mais qui ça, ils? Vous voulez la vérité? Oui, expliquez-nous. La voici. Je m'appelle Julia Seta. Seta? Mais ça veut dire que vous êtes... Oui, je suis votre sœur, votre grande sœur. Vivez tranquillement avec nos parents. Ils ont voulu avoir un deuxième enfant, ils ont eu des jumeaux, dont toi, Ella. Très vite, l'attention s'est mise sur toi. Nos grands-parents, nos parents, même sur toi, Harry. Du coup, j'ai voulu te supprimer. J'ai essayé de te noyer. Maman est arrivée, elle nous a séparés. Et ensuite, ils nous ont tous séparés pour qu'on oublie. Et vous savez pourquoi je suis là maintenant? Non. Pour achever le travail que j'ai voulu commencer il y a 15 ans.